C'est difficile pour moi, après un match, à parler français. Mais je vais essayer. Quel début de match, en tout cas, de votre part? Je sais pas. On commence très fort. On veut continuer les fonds. On a deux matchs spectaculaires contre Nanterre et Monaco, la deuxième mi-temps. Mais on veut continuer ça. Mm-hmm. Was that good? Was that okay? Est-ce que vous avez fait un match plein, entier, à 100% du début à la fin? Trop vite. Est-ce que vous avez fait un match complet? Oui, je pense qu'il y a un moment dans le troisième où on a perdu l'intensité. Mais oui, on retrouve la fin et finit le match. C'était ça qui était dur, c'était de garder les 20 points d'avance. Oui, un petit peu. La mentalité a changé un peu, l'intensité a changé un peu, mais à la fin, we did it, ça was okay. Vous êtes en confiance avant la Leaders Cup? Oui, bien sûr. On a gagné trois matchs contre une équipe, très forte équipe. Donc, oui, on a la confiance. Est-ce que la première mi-temps contre Monaco, dimanche dernier, vous l'aviez en tête? Est-ce que c'est pour ça que vous avez commencé très fort aussi? Un petit peu, oui. Mais c'est... on toujours regarde le prochain match, le prochain play, la prochaine équipe. Donc, un petit peu. Tu as pris beaucoup d'importance dans cette équipe, de volume depuis la blessure de Pape notamment. Comment tu te sens dans ce rôle? Tu défends beaucoup? J'aime bien ma rôle. Cette équipe a besoin d'un défenseur et je pense que je suis là. Et en attaque, l'équipe vous. L'équipe met vous tirer les open shots et après ça, le boulot est facile. Quand vous jouez comme ça aussi bien, vous allez être quand même dur à battre, non? Tu as l'impression que... Pas compris. Quand vous jouez aussi bien, Le Mans va être difficile à battre? Oui, bien sûr. Tu confirmes? Ouais. Mm-hmm.